Quand on est pilote, il y a toujours une zone d'ombre qui plane quelque part dans un coin de notre tête. Des idées noires qui sembleraient parfois presque prémonitoires. Avec le temps, on apprend à vivre avec. Au début des années 90, le monde de l'ultra-léger motorisé est entré dans une nouvelle ère. Celle du Rotax 912, un moteur 4 temps, fiable, qui a ouvert la porte à de véritables exploits aériens. Le plus marquant est indéniablement la traversée de l'Atlantique Sud par Guy Delage en 1991. Oui, donc cette traversée de l'Atlantique Sud en ULM, l'idée en est venue après deux missions humanitaires avec Médecins du Monde, avec des ULM Widhopper qui étaient très très peu performants. Et qui était incapable d'assumer un véritable travail. Donc, je me suis dit, il faut arriver à prouver à ces gens-là que c'est possible et qu'on pourrait utiliser ce genre de machine en intervention rapide sur des zones de sinistre, de guerre ou de catastrophes naturelles. Et donc, l'idée a été de valoriser une machine grâce à une traversée de l'Atlantique Sud. Le gros avantage qui est arrivé à ce moment-là, c'est que sont apparus les Rotax 912, donc 4 cylindres, 4 temps, qui ont permis d'avoir une fiabilité avion. Il y avait une trentaine à peu près de scientifiques qui ont entouré le projet, qui ont travaillé à la fois sur la machine, mais surtout sur l'humain, sur le soleil, sur la météorologie et sur tout ce qui était hydrologie et parcours que je devais réaliser. Je suis parti donc de l'île de Praia au Cap-Vert jusqu'à l'île de Fernando de Noronha. En fait, j'ai repris le parcours complet de l'aéropostale, donc ce que faisait Mermoz quotidiennement, enfin pas quotidiennement mais presque. Et donc tout ce parcours jusque Recife. Alors je suis parti, j'avais 350 litres de carburant. Mais il y en avait 40 ou 50 dans l'aile que j'avais ajouté au Cap-Vert. En fait, j'avais fait braser des bidons d'huile d'olive et j'avais mis ça sur la transversale au Cap-Vert avec un petit tuyau qui redescendait dans le réservoir principal. C'est le plus long parcours que j'ai jamais été réalisé d'un seul tenant en ULM, c'est clair. Plus gros parcours au-dessus de l'eau. C'est 27 heures, oui. Mais j'avais été préparé pour lutter contre le sommeil par deux simulations de 40 heures. Oui, alors pourquoi le pendulaire? Parce qu'effectivement, c'est une machine qui, pour moi, était beaucoup plus utilisable en expédition. Sur des catastrophes, par sa pliabilité, par sa facilité de transport. C'était vraiment pour moi la définition de l'ULM. Je savais que j'allais vers une fatigue importante, avec un risque important. J'avais absolument pas le droit de m'endormir, totalement. C'est-à-dire que j'avais été entraîné à faire ce qu'on appelle des micro-sommeils. Je faisais des sommeils de 15, 20 secondes, 30 secondes, et hop, je me réveillais. Et ça, j'avais été parfaitement entraîné pour le faire. Malgré une solide préparation, Guy Delage ne s'attendait pas à rencontrer une tempête tropicale d'une telle importance au cœur du poteau noir. Et c'est rempli d'appréhension qu'il décolle vers 1h du matin du Cap-Vert pour un vol sans assistance vers le Brésil. J'ai souffert du froid, de la peur bien évidemment, Et puis, au milieu du poteau noir, dans les Cunambes, j'ai fait un début de syncope. Je suis arrivé à m'en sortir, je ne sais pas comment. Moi, je volais à 2, 3, 4, 5 mètres de l'eau. Et c'est quand il y avait des rafales très importantes de face, que là, à ce moment-là, ça me faisait monter, puisque j'avais une vitesse instantanée qui grimpait. Donc, et là, je me retrouvais aspiré, je montais 250, 300, 400 mètres dans le Cunambe, sans pouvoir sortir. Donc, je partais en vrille.
c'est des choses que je ne voyais même pas. C'est-à-dire, je voyais juste mes deux instruments, enfin mes trois instruments. J'avais le GPS, j'avais une sorte de bi-horizon, donc ça me permettait de voir à peu près ce qui se passait. Et puis, j'avais surtout la barre de trapèze qui devenait complètement folle, puisque je me retrouvais quelquefois complètement sur la tranche. C'est-à-dire que l'aile était verticale, mais verticale sur le côté, et j'étais complètement contre l'aile. 5 heures dans des cunimbres, j'en ai fait des cauchemars pendant... Enfin, j'en fais encore des cauchemars, je veux dire, je me vois encore dans les cunimbres. C'est long parce que c'est physique, parce qu'on est à la merci d'éléments qui nous dépassent des millions de fois. J'ai été dans des zones de guerre, ou sous des bombes, ça n'a jamais été aussi dur que cette traversée-là. Alors, nos sens sont complètement atrophiés, c'est-à-dire que à la fois la vision, l'odorat, je sentais, il y avait des éclairs de foudre qui tombaient, je passais à côté, et je sentais l'odeur de l'ozone, et ça c'est extrêmement impressionnant. Mais une fois que j'avais senti l'ozone, je ne sentais plus rien, parce que justement mon odorat était devenu... tellement il y avait eu de peur, était devenu très faible. Donc il y avait la vue, il y avait le goût, j'avais toujours ce sentiment de métallique dans la bouche, sèche. Et puis, bon, les facultés cognitives, après 12, 13 ou 14 heures de vol en conditions difficiles quand même, c'était fortement amenuisé, quoi. La lecture de mes instruments me prenait du temps, c'est-à-dire que c'était la seule... Il n'y avait que ça qui me permettait de dire que je n'étais plus lucide. C'est-à-dire quand je lisais quelque chose sur mon altimètre ou sur un GPS ou sur autre chose, sur n'importe quel cadran, il me fallait quelques secondes pour l'interpréter. Je n'avais pas l'automatisme que j'avais en partant. On est dans un endroit où on est dans la pluie, il n'y a pas de visibilité, il n'y a aucune visibilité, il n'y a que quand je suis au ras de l'eau, j'arrive à voir ce qui se passe, l'eau, la surface de l'eau. Mais dès que je monte de 20 mètres ou de 50 mètres, je ne vois plus rien. Donc on est dans la pluie. Mais en fait, même une fois sorti de ces cunimbres, au bout de 5 heures, je n'arrivais pas à m'en sortir. C'est-à-dire que j'avais la visibilité, j'avais le nuage derrière, mais le vent était tellement violent pour me ramener, m'aspirer par le cunimbre, que ma vitesse par rapport à l'eau était quasiment nulle. Et c'est, je dois dire que c'est grâce au GPS, c'était les premiers GPS portables, que je me suis sorti de là. Parce que j'ai pu trouver l'altitude où il y avait plus de vent, où il y avait beaucoup moins de vent. Toute traversée de gens, enfin dans tout événement, il y a toujours un moment dont on se souvient qui est positif. Et là, en sortant des cunimbres, une heure après, je suis monté à peu près à 4800 mètres d'altitude. Donc là, j'avais un air qui était parfaitement lisse, une vue qui était absolument exceptionnelle. J'avais tous ces petits cumulus de beau temps en bas. Je voyais les ondes de l'océan. Et puis la lune est arrivée, puisque j'ai traversé en pleine lune, puisque en fait, ça faisait partie des choix qu'on avait faits pour que dans la nuit, j'ai quand même une visibilité. Et ce reflet de lune, quand on est à 4800 mètres ou 5000 mètres d'altitude, totalement lisse, c'était un spectacle absolument magique, extraordinaire. Ça, je l'ai toujours en moi. C'est-à-dire, ça fait partie des grandes images que j'ai gardées de cette traversée. C'est au fond d'un hangar de l'aérodrome de Moresby que j'ai retrouvé un des vestiges de cette odyssée. Et en frottant le tableau de bord de cet appareil, je m'interrogeais sur la limite entre l'exploit et la folie. Avec les moyens de l'époque, on a fait ce qui était possible de faire de mieux, je pense. Puisqu'on est arrivé à réduire les temps de transfert des images satellites, que je n'ai pas pu utiliser, mais qu'on avait quand même réduit. Par contre, que ce soit une folie, oui, c'est clair. Bah, Guy Delage, pour moi, est un type absolument fabuleux, extraordinaire, et qui sort des chemins battus, évidemment. Hein.
un type qui a traversé l'Atlantique sur un pendulaire et qui a fait combien? 27 heures de vol sur un pendulaire. Je pense que chacun a besoin, à un moment ou l'autre, à des niveaux différents, de se mettre en danger pour exister. Donc il a fait ce périple incroyable. Bon, après, je crois qu'il y a une recherche personnelle. La difficulté donne du prix à ce qu'on vit, au vol. Hein. Et parce que... Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est sûr que si... Enfin, c'est aussi agréable quand tout va bien, quoi. Hein, mais quand même, hein, y a... Ben, je pense que tu sais ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'en moi, il y a toujours les deux choses. Tu as toujours l'envie de surpasser l'autre, mais de te surpasser toi-même. Et puis la capacité de prendre plaisir à ce que tu fais, quoi. Et je crois qu'on a les deux choses sont dans chacun de nous. Hein. Bon, après Guy Delage, quand tu dis son compte-rendu... il le dit lui-même, je le déconseille à qui que ce soit. Il l'a même écrit à un moment, je crois qu'il lui a fallu 2 jours pour retrouver un rythme cardiaque normal. Ce qui définit quelqu'un, c'est aussi ses faiblesses plus que ses forces, hein, je trouve. Et comment il fait pour se sortir de ses faiblesses, quoi. Donc si on veut conserver son amour de ce qu'on fait, il faut à un moment, oui, se libérer de cette espèce de surmoi tout le temps, des autres qui font mieux, et puis d'arriver à trouver son propre régime de croisière, se lancer ses défis, se connaître un peu aussi. Enfin voilà, mais là, je veux pas avoir l'air d'un grand sage hindou, hein, parce que... Il y a cet aspect, je dirais, écologique. L'empreinte carbone d'une opération comme ça reste élevée, et c'est quelque chose que je ne souhaite pas refaire de ce fait-là. Je veux dire que l'aviation en elle-même, c'est pouvoir se promener comme un oiseau ou comme une feuille morte dans l'air. Ça peut se faire sans doute avec d'autres moyens que des moyens qui ont une grosse empreinte carbone. Sur cette question, il n'y a pas de doute. L'aviation ne pourra pas ignorer plus longtemps son impact sur l'environnement. Et réduire drastiquement son empreinte carbone est notre challenge pour cette décennie. Alors moi, je donne beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup d'espoir dans l'ULM électrique. Autant l'aviation, le pipistrel, c'est bien. D'abord, 280 000 euros, c'est de la folie, quoi. Je vous 40 compte. Minutes de vol. Oui, c'est complètement dingue. Bon, enfin, il faut un début à tout. Alors que je pense que l'ULM, évidemment, le pipistrel, il est sorti de là, mais on peut le faire beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, on a fait des progrès considérables dans les batteries. Et moi, je pense qu'on devrait faciliter cette recherche et développement avec beaucoup d'engins qui volent à l'électrique. À ce stade, il ne me restait plus qu'à partir à la rencontre d'un pilote qui a écrit les plus belles pages de l'histoire de l'ULM. Au-delà du vol, il incarne à lui seul une nouvelle vision du voyage. Il faudra passer quelques cols pour le retrouver, car contre toute attente, il est suisse. Oui, ce pays où l'ULM est quasiment interdit. Vous avez bien entendu deviner de qui je veux parler, il s'agit d'Olivier Aubert. Le voyage ULM, c'est un voyage spontané. Parce que tu te poses, tu ne sais pas ce que tu vas trouver le jour après, même si tu planifies, même si tu as des rendez-vous avec des gens. D'abord, tu ne connais pas le paysage, c'est comme un tapis magique de paysages que tu n'as jamais vu dans ta vie, que tu ne reverras peut-être jamais. Tu passes sur la planète à une hauteur où tu peux contempler toutes ces merveilles. Les gens te font des signes, il n'y a aucune hostilité. Chaque jour, tu vas découvrir des nouvelles choses. Tu vas rencontrer des gens que tu ne connais pas, tu vas atterrir ou tu vas passer au-dessus, leur dire bonjour. Et voilà, c'est totalement spontané, c'est ça que j'aimais bien. Alors mon grand-père était mordu d'aviation, il avait construit un Pou du Ciel dans les années 50. Et puis ensuite il a même essayé de faire un trike, un pendulaire, une espèce d'ULM qu'il avait construit en 63. Il avait copié une aile de Rogallo. Il nous invitait à venir voir ses essais. Il nous disait qu'il avait construit une machine assez épatante. Il avait copié, d'après une image dans un magazine, il a fait la structure en acier soudé. Il avait mesuré la tête de Rogallo et puis il avait reporté sur l'aile pour lui donner un peu la dimension de l'aile. Et il avait fait la voile dans un atelier pour les voiliers, pour les bateaux. Il avait peint la croix suisse. Il était fier de sa machine. Puis on allait, gamin, on allait assister à ses essais. Et puis là, bon, il fonçait, puis il gonflait il arrivait à gonfler l'aile. Et puis, on a l'impression qu'il allait décoller. Puis après, oh, il s'arrêtait, parce que voilà, puis il revenait, il réglait des trucs. On s'emmerdait un peu, en fait. Puis on se disait qu'il était timbré. On se disait, mais le grand-père,
En fait, c'est en 1991 que j'ai commencé à voler avec un moteur. Je faisais du Delta avant et puis j'avais un nouveau boulot en Namibie, en Bushmanland. Sur une ancienne base de l'armée sud-africaine, il y avait une magnifique piste de 1600 mètres de long. Mais malheureusement, c'était tout plat, il n'y avait pas de collines. Et qu'est-ce que je vois passer dans le ciel à côté de l'aéroport d'Eros? En Suisse, on n'a pas d'ULM, c'est interdit, donc on n'a jamais vraiment vu des ULM de près. Et là, je découvre une petite machine comme une moto volante avec deux sièges. C'est un Anglais qui travaillait pour les mines d'uranium et puis il a vu que j'étais complètement... j'étais comme un enfant devant son jouet. Et puis il m'a proposé un vol. Puis ça a été l'émerveillement. C'était à 1600 mètres d'altitude. Le lendemain, j'ai appelé Solowing. J'ai commandé un Windlass, ça s'appelait un Windlass. C'était en fait une copie du... C'était une copie du Bidulm de Cosmos. C'est seulement en février l'année suivante, en 92, que j'ai trouvé un instructeur à Swakopmund sur la côte et qui m'a appris en une semaine à voler. Alors, Willy Van Zyl, c'était mon instructeur en 92. C'est là que j'ai appris à voler en pendulaire. J'avais fait pas mal de delta plane en Europe avant. Et je pensais que ce serait une partie de plaisir, que ce serait facile à apprendre à voler avec un pendulaire. Puisqu'il y a un aile delta. Mais ça n'a pas été, au tout début, ça a été compliqué, j'arrivais pas à atterrir. Donc ça a pris à peu près une dizaine d'heures avant qu'il m'envoie solo. Et puis Willy, ouais, il me faisait toutes sortes de trucs. Quand on faisait la prévol, il me cachait des outils dans le moteur, des choses comme ça. Ouah, si je faisais bien la prévol, enfin. Donc je volais beaucoup, je crois que j'ai fait à peu près 200 heures hein, la première année. Hein. Je volais dès que je pouvais, je volais le matin tôt, je me levais, je sortais la machine du hangar. Donc, c'était dans le Bushmanland en Namibie. Et c'est là que j'ai commis mon premier vol illégal, en fait. L'instructeur m'avait dit, tu vas t'entraîner sur ta base à faire des touch and go, des atterrissages, des collages. Mais tu n'as pas le droit de faire du cross country, tu n'as pas le droit d'aller te balader trop loin. Donc j'ai désobéi. C'était mon premier vol de distance. J'avais peu d'expérience et j'avais une trouille bleue des turbulences. Donc il fallait à tout prix que je parte. Au lever du jour, le soleil s'est pointé à l'horizon, le moteur chauffait déjà depuis 5-10 minutes. Chut, je suis parti et c'est là que j'ai eu le déclic. C'est ça le moyen de voyager en Afrique, c'est l'outil idéal. Tu peux faire 200 km en un jour, sans turbulence, en partant tôt le matin, 10 fois, ça fait 2000 km, 100 fois. 20 000 km. Et 20 000 km, tu es en Europe. Et je me mettais à rêver de partir du Cap et aller au Caire. Le Cap, le Caire. Mais moi, je ne pensais pas au record, je pensais au voyage. Moi, voyager de toutes les façons, l'idéal, c'est à deux. Ensuite, c'est tout seul. Je rêvais de trouver un partenaire, un bon pilote, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un avec qui je m'entends bien. Mike était... le dealer principal pour toute l'Afrique australe, pour Rotax. En parlant avec son vendeur au téléphone un jour, je commandais des bougies et des filtres. Je lui sors, je vais traverser l'Afrique l'année prochaine, en 1994. Puis il me sort, tu feras gaffe de ne pas avoir une collision frontale avec Mike, parce qu'il veut aussi traverser, c'est son rêve, il veut aussi traverser l'Afrique. Je dis, sérieux? J'ai entendu parler de Mike. Il y avait des champions du monde en 92. J'avais lu des articles dans les magazines. Je lui parle de ça, Mike, très sympa au téléphone, il me dit « Je viens avec toi. Descends à Johannesburg, on en discute, mais moi ça m'enchante. Je pars avec toi. » Il ne me connaissait pas. Hein. Et c'est comme ça qu'est né le duo Olivier Aubert et Mike Blythe. Les expéditions s'enchaînent, tout d'abord de Cape Town au Cape Nord, puis l'aventure South to South de Buenos Aires à Cape Town. 8 mois et pas moins de 44 000 km parcourus. Toute la traversée des États-Unis, c'était transpondeur,
Et vol en formation, moi je le suivais à 10 mètres derrière, j'écoutais tout ce qui se passait, je comprenais la moitié de ce que les Américains disaient. On devait survoler des bases de US Air Force, ils nous faisaient passer en vertical, milieu de terrain, à tant de pieds. On voyait les F-16 qui décollaient. Only in a United States you can park off your truck in between old jets like this and taking pictures without any problem. On arrivait du New Jersey et il y a l'orage qui arrive, on voit qu'il y a un parc. On s'est posé à côté, on a mis les ailes par terre, on a attaché les ailes. Et tout de suite, les flics sont arrivés, deux voitures de flics. D'abord, ils étaient un peu, froids, un peu méfiants, vous venez d'où, etc. On leur explique qu'on est touristes, puis qu'on fait un espèce de tour du monde. We'd like to do it before the rain breaks again. Yeah. And before we have a crowd attracting here, because then we're going to wind up having a crowd here. Yeah. Finalement, ils nous ont, quand tout s'est calmé, ils nous ont ouvert la voie, ils ont dit aux gens restez, tout ça, puis on a redécollé. Et puis on est resté une bonne partie de la nuit près du feu, à parler de voyage, notamment de la traversée de l'Atlantique Nord. Bon, on a traversé le Groenland avec les meilleures conditions possibles. On a dû attendre 9 jours avant de pouvoir quitter le Canada. Ah, on était quand même, on était un peu anxieux quand même. Hein. On avait tout organisé, on s'était entraîné au sol, sur nos ULM, à mérir, c'est-à-dire passer une jambe du même côté que l'autre, comme ça, le moteur s'arrête, donc on avait toute une procédure. Right! This little practice may save our lives, who knows? We might be lucky enough to not only go for a flight, but go for a swim as well. On a traversé là où il y a tous les icebergs. Je pense que la première partie, c'était la plus dangereuse parce qu'on ne peut pas se poser dans l'eau. Il y a des morceaux de glace partout. Donc tu vas te fracasser sur de la glace flottante. Donc on a été content d'arriver à Sandstromfjord. On a fait le plein. En tous les cas, on était confiants. On était parti à fond. On était galvanisés. On savait que on irait jusqu'au bout, on n'allait pas s'arrêter maintenant, quoi. Il y a 750 km hein, d'une côte à l'autre. Et chose marrante, nous on était quand même des bleus, hein, quand même, faut le dire. Parce que Groenland, c'est 10 000 pieds quand même. Puis nous on ne savait pas, on pensait que c'était une galette de glace toute plate, quoi. On s'en est pas menté. Hein. On parlait pas trop quand même. Hein. Parce qu'on est concentré dans notre truc, on est là, on sait qu'on fait un truc extrême, on est là. Voilà, en train de traverser l'Atlantique Nord, on est sur le Groenland, on est sur la mer. Donc de temps en temps, je dirais toutes les 10 minutes, il y en a un qui appelle l'autre, il dit ça va, ouais, ça va. Parce qu'on avait monté un système de réservoir auxiliaire sur les sièges arrière. Et Mike, très bricoleur, très ingénieux, il avait fait un système de vase communicant, si tu veux. Pas de pompe électrique. Pas de risque de panne. L'Eurotax, on a toujours l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais, le 4 temps. D'ailleurs, le mien ne s'est jamais arrêté. Sur le Groenland, ce que tu veux éviter, c'est le whiteout, ça s'appelle. C'est-à-dire, tout à coup, si c'est couvert complètement, tout devient blanc. Le sol est blanc, c'est toute la glace. Hein. Tu ne vois plus l'horizon, c'est fini. Il y en a qui sont crachés, ça s'appelle le whiteout. Hein. Ça, on voulait éviter parce qu'après, tu dois voler avec un horizon artificiel, ce qu'on n'avait pas, justement. T'es bien entouré sur l'Atlantique Nord. Ils te prennent en charge du début à la fin. T'es en radio, contact, chaque heure. Si t'appelles pas, c'est eux qui t'appellent. Mais bien sûr, avec nos petites radios, on ne pouvait pas appeler depuis... à partir de 100 km, on n'avait plus de contact radio avec la tour qu'on venait de quitter ou celle qu'on va rejoindre en s'approchant. Donc le système, c'est connu, on fait des relais avec les avions de ligne. Et on demandait, can you make a relay for us, faire un relais pour Reykjavik, leur dire qu'on est à cette position, que tout va bien, etc. Puis des fois, les pilotes étaient sympas, ils demandaient, mais vous volez avec quoi? Quelle est votre vitesse? Ah, on n'est que deux ultralight. Des ultralight? Quel type? Well, trikes, you know, de pendulaire. Les mecs, ils se marraient des fois. You're crazy, ils disaient à la radio. Non, nous, c'était vraiment envie de se faire plaisir, de faire un,
de partir à l'aventure, de prendre le temps, de voler. Olivier, c'est plein de choses à la fois. C'est un brillant réalisateur, un talentueux cuisinier et un excellent pilote. Ainsi, quand je le vois remettre en route son mythique DTA voyageur avec lequel il a baroudé aux quatre coins de la planète, mon âme de pilote de pendulaire est envahie de nostalgie. L'idée, c'est vol bivouac, hein, c'était important. Hein. Toutes ces nuits qu'on a passées sous les étoiles, à discuter, à faire un petit feu. Il y a les hyènes qui te surveillent, il y a les lions. Et puis en plus, tu saignes, t'es cuit, quoi. Je crois que les gens aiment bien voir des aventures où les types, ils en chient un peu quelque part. Chez les Himbas, il n'y a que des femmes qui sont là. On n'a pas pris un seul Himba. Tous ces pilotes, ces aventuriers, tu n'en as pas un qui cuisine dans ton truc. Le but, c'est de faire un film que les femmes des pilotes vont apprécier.